sais, quand les gens ils s'approprient les trucs de jumeaux, là, puis ils sont comme, moi, on j'ai juste adore un ça. 9 mois de différence, puis je suis comme, arc, tes parents ont fait de l'amour tout de suite. Mais ouais. Genre, à part ça. Ça devait tellement faire mal. Jojo, qu'est-ce que je fais ici? On est dans une capsule courrier recommandé. Il va falloir qu'on se pose des questions. C'est quoi le sujet le plus tabou entre femmes? On acknowledge pas assez les différentes sortes de violences qu'on vit quand on est des femmes. C'est vrai. Moi, je dirais que le sujet tabou, c'est aussi nos conjoints. Ouais. Parce qu'on a tout le temps tendance à vouloir les protéger puis à vouloir dire qu'ils sont pas si pires que ça. Des fois, de prendre le temps de regarder critiquement ce que nos conjoints font, c'est important. Je trouve tout le temps que les gens, ils protègent leur conjoint puis t'as le goût de dire comme « Mais je le sais qu'il n'est pas de la merde ton conjoint parce que sinon tu serais pas avec. » Des fois, tes amis, c'est les inspecteurs. T'sais, ils sont là pour te dire les affaires qui clochent. Mm-hmm. C'est parce que ça te permet de t'aiguiller puis d'avancer. Je pense que je vais y aller de ton bord. Je vais me retourner parce que j'ai trop peur. Est-ce que j'ai déjà été absente lorsque tu avais besoin de moi? Ben oui. Tu veux-tu les dates? Non. Je pense qu'on oublie beaucoup, surtout vu qu'on est des jumelles, qu'on peut pas tout le temps être présentes l'une pour l'autre. C'est vrai. Puis les deux, on vit des shit. Mm-hmm. Fait qu'on peut pas tout le temps être là. Je pense que, en fait, des fois, c'est pas ta présence qui était pas là, c'est que des fois, j'aimerais ça que tu step in un peu plus. Des fois, j'aimerais ça que tu prennes ta place. Puis que t'aies confiance en toi, à mais la place que c'est tellement dur! Je sais, mais moi, je te trouve bonne. Puis j'aimerais ça que tu te trouves bonne toi aussi. Puis j'aimerais ça que tu te défendes. Mais c'est pas grave. OK. On s'est-tu fait maquiller avec du waterproof? Je pète-tu un autre ballon? Je vais me torcher avec mon chandail. Là, je vais essayer le miroir juste parce que personne n'a voulu m'expliquer c'était quoi. Pose la question de ton choix. Comment ça va, Josiane? Hey! Pas si bien. je pense que j'avais des limites. Souvent, je fais semblant que j'en ai pas, fait que genre, je dis oui à tout, puis tout ça. Fait que je pense que j'ai des limites. Puis moi aussi, je peux être en dépression. Quand on a augmenté mon médicament hier, puis malheureusement, ça fait pas effet en une journée. Puis ça me gosse ouais. D'avoir eu à avoir une augmentation de médicaments. Puis je trouve que c'est tough le changement de saison. Puis le monde met de la pression pour que j'aille mieux, puis ça me gosse. Je comprends ça. Miroir, comment ça va, Caroline? Fatiguée. C'est ça. C'est une astuce d'année 2019. Il y a celle au bout là-bas. Là. Hey, hey, une chance que je suis montée dans cette échelle-là. Quelle est la chose la plus importante que tu aies accomplie durant ta vie professionnelle? Je pense que c'est notre deuxième livre sur les maladies mentales, pour ceux qui ne l'auraient pas lu. parce que je pense que c'est le livre qui a sauvé des vies, pour de vrai. Puis quand on travaille, j'aime ça quand ça aide les autres. C'est vrai. Toi? Quand on a lancé notre premier site, même si ça s'est mal fini, on a fait à notre tête, puis on était comme careless. Puis je pense qu'avec les années, on a oublié à quel point qu'est-ce qu'on a fait, c'était nice. C'est quand même un gros move. C'est quand même un bon move. Monte sa chaise. Y a-tu réellement une connexion particulière entre jumelles? Est-ce qu'il faut qu'on la réponde en même temps, celle-là? Moi, je l'aime, le narratif de genre la connexion particulière. Il y a personne qui pourra jamais autant bien nous connaître, l'une que l'autre. C'est vrai. Puis c'est pas vrai que tu peux apprendre ces affaires-là, c'est inné. C'est vrai. Puis quand on se faisait coucher dans le même lit, puis qu'on se tenait la main, puis quand tu vois des photos de jumeaux qui, naturellement, ils se pognent la main puis ils inventent un langage. M'excuse, mais il n'y a personne qui peut inventer ça. Allez, chier.
OK. Fait que moi, je vais écrire une question, puis toi, tu vas écrire une question. OK. C'est tellement des questions niaiseuses. J'ai dit, tu dors combien d'heures par jour? Et moi, c'est nomme-moi ton top 3 de biscuits du commerce. C'est que tu veux savoir s'il y en a qui aiment les biscuits au raisin, puis plus être jamais ami avec. T'es comme, c'était cool ta musique, bye.